Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 4 mars 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Cavalari. Quatrième course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 8 à 11 ans en découdront aux alentours de 20h15. Il ne faudra pas hésiter à faire confiance à nos favoris pour ce quintet concouru en nocturne. L'allocation totale sera de 36 000 euros ici, et beaucoup de chevaux ont fait de cette course un véritable objectif. En théorie, les chevaux de la première ligne ne devraient pas manquer leur cible derrière l'autostart. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Dear Lover. Superbement placé derrière la voiture avec un numéro enviable, ce cheval de grande qualité entraîné par Nils Pacha peut espérer renouer avec le succès aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 2, Ekiano. Lorsqu'il est bien, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, ce cheval entraîné par David Alexandre et drivé par David Baquert est capable de réaliser de très grandes performances. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Easy Mazza. Romain Derieux l'aime bien et comme il reste sur une bonne troisième place, il faut logiquement le retenir en tant que base Quintée Plus. En quatrième position viendra le numéro 8, Diams de Bassière. Nicolas Hensch est un homme adroit, que ce soit à l'entraînement ou à la drive, et c'est pourquoi il faut faire fi de son numéro 8 à l'autostart et le retenir dans une combinaison. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Ellington Dream. Romuald Maurice compte sur lui pour faire l'arrivée de cette compétition, lors de laquelle il se présentera en mode déféré des quatre pieds. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Dirty Loving. Affichant une très belle régularité depuis plusieurs semaines et présenté par un certain Laurent Fresneau, il aura logiquement de nombreux fans. En avant-dernier choix, le numéro 6, Éclair Gold. Oublions sa récente musique et reprenons-le en confiance, car déféré des quatre pieds dans ce lot, ce pensionnaire de Sylvain Roger peut remettre les compteurs à zéro. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Complice. Pierre Vertruys est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Desmets, qui peut largement faire mieux que ses récentes 7e places. En cas de non partant, le numéro 7, Diamant de Bollant, présenté par l'inoxydable Yannick Alain-Briand, introduira alors notre fameux pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent tiercé, quarté, quinté plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.